signifie que la Ve République, à mes yeux, a atteint ses limites. Un régime de monarchie présidentielle qui donne des pouvoirs absolument inouïs à un personnage qui dispose tout seul, comme vous l'avez vu, du droit de déclencher une guerre en Irak, d'en déclencher une autre en Syrie, sans que le Parlement vote, ce qui n'a d'équivalent, je crois, que dans la monarchie du Koweït. Mon point de vue est un point de vue raisonnable, responsable et démocratique, parce que je ne crois qu'aux élections comme mode de transformation de la société. C'est le cas où, étant candidat à une élection présidentielle, j'y serais élu. Bon, alors à ce moment-là, évidemment, la constituante serait convoquée immédiatement. Ce serait le premier acte. J'ai dit en 2012, j'ai dit que je serais le dernier président de la Ve République. Et donc, si nous, les Français, nous disons, écoutez, ça ne peut plus durer comme ça, parce que ça ne nous convient pas. Ça ne convient pas à notre peuple, pas à notre idéologie. Nous sommes un peuple jeune, et de plus en plus jeune. Nous avons besoin que la Banque centrale ne se préoccupe pas seulement de la stabilité de l'euro. Une carrière, c'est le jeune de Sciences Po qui sort et qui se dit maintenant, j'adhère à l'UMP, au PS ou au Facho. Lequel va me... Bon, voilà, ça c'est une carrière. Améliorer les choses en me montrant plus vulgaire, plus populiste, si je participe au concert de la meute, qui veut voir dans chaque musulman un ennemi de la patrie, ou si chaque fois que quelqu'un est un peu bronzé, je le montrerai du doigt, peut-être que mes affaires s'arrangeraient. Mais je ne veux pas des voix des gens qui pensent ça. Je n'en veux pas. Je le confirme à votre radio. Si vous pensez ça, votez pour ceux qui pensent ça. Ils sont là pour ça. Alors l'engagement politique, il continue et il continuera jusqu'à mon dernier souffle. Vous vous enfermez, d'abord en vous volant les mots. Vous ne pouvez plus être de gauche parce que si vous êtes de gauche, c'est que vous êtes pour Hollande. Et comme vous ne voulez pas être pour Hollande, alors vous n'êtes pas de gauche. Le fait que nous sommes tous dépendants du même écosystème, tous, prouve que nous sommes semblables et que donc l'intuition de l'esprit de lumière est d'amitié objectivement. C'est le dissensus qui permet la démocratie, pas le consensus. Le consensus et la contradiction vous rendent maître de votre décision. C'est pas servir des mois d'efforts patients pour construire la question sociale et la ramener devant la scène. Tantale moi-même Mera, qui a ramené cette saloperie sur le devant de la scène, le meurtre, l'épicine, la haine, le dégoût. Vivre dans ce pays sans les Arabes et les Berbères qui s'y trouvent, qui sont français comme nous, et qui partagent avec nous la République française. Parce que être français, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une religion, ce n'est même pas l'usage du français, parce que 29 pays l'ont en partage avec nous la langue française. Ils ont essayé de m'écraser, et je suis toujours là.